Alors bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition spéciale au Cégep Édouard Montpetit. Mon nom est Prodéo Francis Levin-Croteau et je suis ici pour vous présenter ce match de Rocket League aujourd'hui avec mon co-animateur Wook. Bienvenue à l'émission. Salut Prodéo, fait plaisir encore une fois d'être là. Yes! Alors Wook, à quoi qu'on va s'attendre aujourd'hui, Cégep Édouard Montpetit 2? Ben, comme tu viens de le dire, aujourd'hui on suit le Cégep Édouard Montpetit 2. Donc on a deux matchs qui nous attendent aujourd'hui. On a un match contre le Cégep de Shawinigan. Ça va être le deuxième match. Et on a comme premier match le Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Parfait. Et justement, on va bientôt commencer. Est-ce que tu peux nous présenter les deux formations? Oui, donc du côté des Lynx, ce sera pas bien long. Je pensais que je l'avais sorti, mais je ne l'ai pas sorti. Et... Donc du côté des Lynx, on va avoir comme premier joueur Shoyo. Comme deuxième joueur, on va avoir Amaru. Après ça, on va avoir Puceau. Et dépendamment des matchs, je ne sais pas s'il va y avoir des remplaçants qui vont embarquer ou pas dans cette match aujourd'hui. Mais on va avoir Padayan en joueur 4 et Cardinal en joueur 5. Parfait. Et là, on voit justement à l'écran qu'on joue contre Joliette. Et la prochaine partie, on joue contre le Cégep de Shawinigan. Donc, le Cégep de Shawinigan, je ne sais pas s'ils ont un bon début de saison, mais j'ai bien hâte de les voir sur le terrain. On a vu le Lynx du Cégep Édouard-Montpetit 2 la semaine dernière. Et écoute, c'était pas... ils n'ont pas gagné contre le Cégep Édouard-Montpetit 1, mais j'ai bien envie d'en voir plus. Mon chat, hey, on me voit sur l'écran et en plus, on me voit. Incroyable! C'est pas fait, ça! Donc, je pense qu'on est bientôt prêt à enchaîner avec cette série. On va attendre que les joueurs soient prêts pour cette série. Donc, est-ce que les joueurs vont pouvoir rejoindre l'arène? Je vais envoyer le message. Et de ton côté, comment ça a été là, cette semaine? Une belle semaine? Ben, c'est bien passé, écoute, l'école, quoi. Yes. Donc, si on peut parler un peu aussi du premier match de la première équipe, le Cégep de Lanaudière, qui en ce moment, ils ont un début de saison assez compliqué, sont à une victoire, trois défaites, et si on sort un peu des séries, on se concentre plus sur les matchs précisément, sont à quatre matchs de gagnés contre 10 de perdus, tandis que nos Lynx 2, eux, sont à 2 victoires, 2 défaites et ils ont 8 matchs de gagnés, 7 de perdus. Donc ça va être un match assez intéressant d'après moi. Effectivement. Et justement, la partie vient de commencer. Alors, il nous manque juste le son du jeu et on va pouvoir débuter. Je te laisse commencer pour ce premier match. Et donc là, c'est Puceau qui s'en va dans le coin. Essaie d'intercepter le tir de Fabulous, mais Fabulous l'envoie vers le but des Lynx. Et c'est Amaru qui dégage du backboard. Tonix qui reprend au début. Il va essayer de double Fabulous qui essaie de double tap sur le backboard. Si ça ne passe pas malheureusement. Shoyu qui reprend la balle. Il va faire un petit flex par-dessus les défenseurs. Et c'est bloqué malheureusement. Puceau qui la renvoie dans le coin. Et c'est un tir des Lynx qui est raté malheureusement. Shoyu qui la renvoie directement dans le coin. Pas de temps à perdre. Là c'est Silksy qui la renvoie directement dans le coin des Lynx. Et c'est Amaru qui intercepte. Amaru qui va essayer de dégager mais c'est bloqué par Silksy. Puceau qui va la redégager directement après. Donc là, il y a un petit malentendu entre Puceau et Shoyo. Ils savent pas trop qui c'est qui va y aller. Même Nautix qui reprend la balle, il va faire un ceiling shot. C'est intercepté par Lonex. Shoyo qui va essayer de faire un petit 50 au milieu, mais c'est renvoyé directement dans le coin. Amaru qui va faire un dégagement. Suivi ensuite par une touche de Fabulous. Et c'est Puceau qui va la redégager directement. Donc là, ça joue un petit peu au ping-pong dans les deux équipes. Puceau qui va essayer de la dégager dans le coin, mais c'est raté. Shoyo qui va réussir à le faire. Et là, c'est Amaru qui va faire un tir et ouh, ça passe directement à côté de la défense de Lanaudière. Et c'est ce qui donne le premier but pour l'équipe du Cégep Édouard-Montpetit à 3 minutes 39. Un très bon début. Est-ce qu'ils pourront réussir à garder la cadence? Très bon début de match. On verra par la suite. Ben, je sais pas trop si le Cégep de Lanaudière avait plus de boost ou qu'est-ce qui s'est passé, mais la balle, on dirait qu'elle est comme roulée dans le but. Mais écoute, encore une fois, très beau but des Lynx. Donc là, c'est Amaru qui s'envole dans les airs, qui essaie d'intercepter Nautix, mais ça marche pas. Shoyu qui va la dégager du backboard.
Suggsy qui va essayer de l'envoyer au fil, mais c'est Pussou qui fait un 50 directement dans le but de Lanaudière et c'est 2-0 pour les Lynx. Incroyable, une balle qui va, très longue balle, qui va directement dans le filet. La défensive qui n'était peut-être pas à la bonne place à ce moment-là, peut-être un petit problème de ce côté-là. On verra si ça va être réglé, mais ce n'est que deux buts, tout peut changer. Il reste 3 minutes 20. Là, c'est Hypnotix qui la renvoie vers le centre, mais c'est intercepté par Amaru. Amaru qui la dégage dans le coin. Hypnotix qui va la reprendre, il va la renvoyer dans son coin. Et c'est Fabulous qui va réussir à contourner Pussou. Amaru qui va faire un home goal dans le but des Lynx! Un home goal! Et c'est ce qui va peut-être donner un petit plus aussi pour l'équipe. Le Cégep est donc pas petit, ça commence à se faire bousculer. On commence à combler l'écart. Est-ce qu'ils vont réussir à égaliser? On verra dans quelques instants. En effet, le match n'est pas fini. Donc là, c'est Pussou qui va essayer de la ramener vers le filet, mais c'est raté. Amaru qui fait un tir, c'est bloqué par Silxy. Là, c'est un centre d'Amaru, mais c'est bloqué encore une fois. Shoyu qui va prendre le contrôle dans sa zone, va essayer de dégager, mais c'est bloqué par Silxy. Fabulous qui va faire un dégagement vers le coin, mais c'est bloqué par Amaru qui s'en va pour un aerial. Attention, ça peut être dangereux, mais c'est bloqué par Hypnotix. Silxy qui va la reprendre, l'envoie dans le coin. Il y a uniquement Shoyu à la défense, ça peut être dangereux puisqu'ils sont en 2 contre 1. Mais c'est un ceiling shot raté de Silxy. Et c'est dégagé par Amaru. Intercepté par Fabulous ensuite. Amaru qui fait un beau 50, ça va être dangereux pour Lanaudière. Et oui, c'est un bel arrêt de Fabulous, encore une fois, qui va réussir aussi à dégager la balle. Et là, il est presque tout seul contre Shoyu. Il va l'envoyer sur le backboard et c'est Hypnotix qui va essayer de faire le double tap, mais c'est raté, malheureusement. Pussou qui va prendre la balle, mais c'est bloqué. Shoyu qui réussit à la renvoyer dans le coin. Pussou qui réussit encore une fois à l'envoyer dans le coin. Là, ça a été dangereux comme petit push ça, mais Amaru réussit quand même à la garder dans le coin de la Nausia. Suzy qui s'avance dans la zone des Lynx va réussir à la passer par-dessus Pussou, mais c'est intercepté par Shoyu. Fabulous qui va l'envoyer dans le coin. Il va essayer de dépasser Amaru, mais c'est raté. Hypnotix qui essaie de s'en aller vers le plafond. Et là, c'est envoyé dans le coin de la Nausière. Amaru qui rate la touche. Suggsy qui la renvoie du côté des Lynx. Fabulous qui démoule le dernier défenseur. Donc là, c'est Shoyu qui va faire un petit flic encore une fois. Amaru qui va faire une deuxième touche, va l'envoyer sur le backboard. Et c'est Shoyu qui est là pour la reprendre. Et quel but de Shoyu! Le beau double tap qui passe bien. Et c'est maintenant 3-1 pour les Lynx. On a bien vu l'ouverture en haut du filet. Et on a visé au bon endroit. Un troisième but pour l'équipe des Lynx. Un très beau but de Shoyu à 1-31. Donc là, c'est le kick-off encore une fois. Pussou qui va réussir à faire un beau 50. Shoyu qui l'envoie dans le coin. Hypnotix qui va l'envoyer sur le mur. Amaru qui intercepte. Amaru s'en va pour un petit aerial. Est-ce qu'il va réussir? Il tente le flip reset. Oh, mais il l'envoie juste à côté du filet, malheureusement. Pussou qui va quand même essayer de prendre le retour, mais c'est raté, malheureusement, encore une fois. Amaru qui va essayer de faire un petit pinch sur le mur et s'en va directement devant le but. Pussou qui va la renvoyer vers le centre. Shoyu vers Pussou encore une fois. Pussou qui prend son temps. Va essayer de l'envoyer vers le centre, mais c'est bloqué par Hypnotix. Donc là, c'est Fabulous qui va la dégager dans le coin de nos Lynx. Pussou qui est là pour attendre va la réceptionner. Mais là, c'est un. Ouh, ça a passé proche ça, mais Amaru était là. Donc là, Hypnotix qui va essayer de l'envoyer dans le coin, mais il peut pas suivre. Fabulous qui s'en va pour toucher la balle, mais c'est dégagé par nos Lynx vers le coin droit. Donc là, Hypnotix qui reprend la balle, mais c'est Shoyu qui intercepte. Et Amaru était là pour le retour, mais malheureusement, c'est raté. Pussou qui fait un enchaîne directement après, mais c'est encore une fois raté pour nos Lynx. Une belle attaque, hein. Mais oui, ça a passé pas loin. Nos Lynx étaient là pour les deux occasions, puis ça a failli faire un autre but. Mais là, c'est Silxy qui s'avance vers la zone de nos Lynx. C'est un 50 vers le devant du filet. Fabulous qui va l'envoyer directement dans le filet. Il n'y a plus le défenseur, mais Shoyu qui est revenu juste à temps pour intercepter la balle. Suggsy qui la renvoie vers le centre. Amaru dégage vers Hypnotix. Hypnotix qui intercepte et la renvoie sur le backboard. Pussou est là. Mais c'est un autre beau 50. Et là, encore une fois, très dangereux. Mais Shoyu est encore une fois là pour l'envoyer directement dans le coin de nos Lynx. Et c'est dégagé dans le fond du filet du Cégep de la Nausière. Et je crois que ça va être une victoire. Une victoire. Est-ce que tu as dit la Nausière? Oui. Je pensais que c'était Joliette. Oui, c'est peut-être moi qui se trompe, mais sur le site, il est marqué les deux. OK. La Nausière, c'est pas ce qui est après, dans le match suivant? On va aller voir. Ah. La Nausière à Joliette, qui est marquée. OK.
Moi, ce que je vois, c'est aussi le prochain match, c'est Cégep de Shawinigan. Ouais. Bon, ben, en tout cas, c'est probablement juste pour être sûr, mais je pense qu'on jouait contre Joliette. Et on voit présentement les scores lors de cette partie. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces pointages? On a quand même un but de chacun de l'équipe des Lynx. On se complète bien. Ben oui, on peut voir aussi que Amaru et Shoyo ont des pointages très semblables. C'est sûr que Pusso est un petit peu plus bas dans le classement. Comme on peut voir, il n'y a pas de passe sur les buts, il n'y a pas d'arrêt et il y a deux tirs de moins qu'Amaru, par exemple. Donc, ça peut être une des raisons. Mais quand même, un très beau match de la part de nos Lynx. Et on a pris la victoire 3-1 puis on peut pas dire non à ça. Parfait. Donc, on va reprendre pour la deuxième partie. Oui. Et on aura besoin du son du jeu. Et on va pouvoir y aller avec le match des Lynx. Deuxième partie. Et on y est. Alors, la balle qui flotte au-dessus de la zone de Joliette. Ici, on a Amaru qui ramène ça vers le centre. Fabulous qui intercepte. Puce qui tente... en fait, qui joue un peu du ping-pong en ce moment et... On tente d'avoir une attaque du côté de Joliette. On a un tir bien bloqué par Amaru. Et on va reprendre dans le coin, justement, et renvoyer ça de l'autre côté. On aura peut-être une tentative. Non, on rate la balle et on ramène ça dans le coin. On essaie de gagner du temps du côté d'Amaru. Ouais, ça aurait pu être dangereux, ça aussi. On a vu que le défenseur des Lynx a raté la balle et ça a laissé un filet ouvert. Ça aurait pu être dangereux pour nos Lynx, ça. Yes! Une balle qui s'en va dans le coin et qui s'en va directement de l'autre côté. Un très beau dégagement. On tente les longs dégagements dans les dernières secondes et on verra si ça va payer. Pousse dans les airs. Une balle rebondissante et ça touche le top corner et ne rentre pas dans le but. Ce n'est pas grave parce que Shoyo continue à mettre de la pression interceptée par Hypnotix. Et les deux équipes, mon cher Wook, sont quand même pas mal égales niveau pression, je trouve, en ce début de deuxième partie. Ben oui, écoute, nos Lynx attaquent bien, mais Joliette, ils défendent très bien aussi. Yes. Ils laissent pas grand espace pour nos Lynx pour marquer, puis on voit qu'ils ont un peu plus de difficultés à trouver une faille dans la défense. Là. On tente un beau jeu de Shoyo ici. Et on se fait arrêter immédiatement par l'équipe de Joliette. Shoyo qui réussit avec un bon 50 à ramener ça de l'autre côté et ça a failli rentrer, mais ce n'était pas cadré. Fabulous qui intercepte. On tente un jeu aérien. Islixi ramène ça en milieu de terrain. Et on continue à se lancer la balle d'un côté et de l'autre. Et il reste justement 2 minutes 45 à cette partie. Donc là, c'est Pusso qui va intercepter Fabulous. Fabulous qui va essayer de faire un double tap dans le coin. Et c'est raté. Là, il y a le Pusso qui a failli la mettre dans son propre but. Mais heureusement, Shoyo était là. C'est Amaru qui l'envoie dans son coin. Pusso qui est là pour suivre le jeu. Pusso qui la renvoie dans le coin de Joliette. Mais c'est intercepté par Fabulous. Fabulous qui va faire un ceiling shot pour la dégager dans la zone des Lynx. Et ça fonctionne. Shoyo qui doit reprendre le contrôle dans le coin de sa zone. Il va pour un petit ceiling shot. Fabulous est là pour intercepter encore une fois. Et attention, ça devient... la pression, on peut pas dire qu'elle est pas là, mais on défend bien des deux côtés. Et c'est pour ça qu'on est toujours à 0-0. Mais non, c'est ça, les deux équipes, ils laissent pas grand espace à l'autre équipe pour marquer. Donc, il y a des beaux jeux qui se font des deux côtés, mais pas grandes opportunités. Une belle touche ici qui renvoie ça à l'autre côté. Par contre, j'ai comme l'impression que ça a un peu donné la balle à Shoyo. Une démolition, justement... de Hypnotix à Shoyo ainsi que Fabulous qui se fait démolir et un tir et l'arrêt de Islixi. Bel arrêt ici qui pourrait être un moment clé de cette partie qui pourrait faire la différence. Fabulous ici trouvera une autre touche qui sera dangereuse dans les airs. Amaru qui est là pour défendre et la balle qui va être dans la zone des Lynx, mais n'arrivera pas à rentrer dans le filet. Une belle défensive ici de nos joueurs des Lynx.
Donc là, c'est Shoyu qui s'en va avec la balle. Il l'envoie sur le mur, mais c'est bloqué par Sozi. Puis Sozi qui va prendre la balle, va la dégager dans le fond. Mais c'est bloqué par Hypnotix. Amaru qui essaie de la renvoyer sur le côté. Fabulous qui essaie de prendre le contrôle, mais c'est encore une fois bloqué par Amaru. Amaru va essayer un musty flick. Ça aurait pu déjouer, mais il manquait un petit peu de puissance dessus. Shoyu qui reprend le contrôle dans le coin. C'est intercepté par Fabulous. C'est Fabulous qui est presque tout seul. Et c'est un but pour Joliette. Ça fait 1-0. Yes, et pour la première fois de cette série, eh ben Joliette qui prend les devants à 40 secondes. Il n'y a pas beaucoup de buts lors de cette partie. Une cage béante, un but pour Joliette. Est-ce qu'ils pourront réussir à gagner au moins cette partie? 40 secondes à faire, on verra ce qui se passera. Et donc là, c'est Amaru qui va essayer de dégager dans le fond Hypnotix qui va la renvoyer dans son coin. Et là, c'est Amaru qui réussit à faire un beau centre. Puceau qui manque l'occasion, mais Shoyu est là pour le retour encore une fois. Shoyu qui tire et c'est bloqué par Fabulous. Donc là, c'est Fabulous qui la renvoie vers le côté des Lynx, mais c'est bloqué par Amaru. Amaru qui réussit à l'envoyer dans le coin. L'envoie vers Shoyu. Shoyu qui rate la balle, malheureusement. Puceau qui est là tout de suite après pour continuer la pression. On remarque que les Lynx, ils mettent beaucoup de pression. Ils se rendent compte 1-0, 10 secondes. Ils n'ont pas le choix d'essayer de marquer un but. Shoyu qui va intercepter la balle vers son but. Sirxy qui va la renvoyer vers le centre. Puceau qui va essayer de la garder dans les airs en l'envoyant vers le mur. Il va l'envoyer vers le centre, mais ça va être bloqué par Hypnotix et c'est maintenant 1-1 dans la série. Yes, une victoire de Joliette qui vient égaliser la marque. Et justement, on voit que le pointage est maintenant une égalité. Un point de plus au tableau. Joliette et Cégep Édouard-Petit à un point. Bravo à tous les joueurs qui jouent bien. C'est quand même très serré hein, ce soir. Ouais, c'est des bonnes parties. Comme j'ai mentionné tantôt, il y a des bonnes attaques, mais les défenses sont assez solides. Donc, il n'y a pas beaucoup de buts qui se donnent. Il y a des beaux jeux qui se font. Il va juste manquer un petit peu plus d'efforts pour pouvoir réussir à la mettre dans le but. Mais c'est des bonnes parties qui s'annoncent. Et on voit les résultats au tableau. Il y a quand même, écoute, il y a quand même le but du match Fabulous. Je vous dirai pas pourquoi c'est le but du match. Il y en a juste un but dans cette partie. C'est clairement le but du match. Et au nombre d'arrêts, on a deux arrêts de chaque côté, du côté de Joliette. Et écoute, les Lynx, un arrêt de chaque côté. Une très belle partie. Beaucoup, beaucoup d'efforts des deux côtés. Puis on se complète bien, je pense. Un but de différence et voilà. En effet, je pense juste que les Lynx, ils pourraient avoir il y a eu une petite erreur de leur côté, ce qui a amené un but. Il n'y avait pas de défenseur derrière, ils ont eu le filet grand ouvert pour l'équipe adverse. Donc, peut-être juste un petit truc qui s'est mal passé de ce côté-là pour les Lynx, mais c'est toujours des erreurs qu'on peut arranger dans les futurs matchs. Alors, je pense que les joueurs rejoignent l'arène et on peut commencer cette troisième partie. On rappelle que c'est un BO5 et justement... on aura le son du jeu. Et voilà, on est dans le jeu pour cette troisième partie. On rappelle, c'est 1-1. Chacune des deux équipes a un point. Donc, c'est Hypnotix qui va essayer de l'envoyer vers le centre. Et c'est... Ouh, je sais pas si c'était qui ça. Mais il y a eu un petit on-go de la part des Lynx. Ouais, on voit le replay ici. Et Amaru, c'était Amaru. Ben, c'est pas vraiment un on-goal. Je pourrais te dire que c'est. Il a tenté de défendre et le 50 était très favorable pour Joliette qui a finalement compté ce but. Donc, on peut dire que c'est le 50 qui était très favorable. Moi, je dirais plus ça qu'un on-goal. Et on a un deuxième but, back-à-back, directement, Hypnotix qui en met un deuxième. Seulement 19 secondes de jouer et un deuxième but sur la marque au tableau. Ben oui, il y a Shoyu qui a essayé de la toucher puis de l'envoyer de l'autre côté, mais il l'a envoyé le plus fort dans sa zone. Ça donne une belle occasion pour Hypnotix, puis ça a fait un très beau but. On va y aller maintenant avec Shoyu dans les airs. On ramène ça de l'autre côté et on est tous là pour défendre. Amaru tente de mettre ça sur le côté. On va voir avec un 50 qui fait en sorte que la balle demeure sur place. On va tenter de trouver une ouverture. La balle dans le coin du Cégep Édouard Montpetit et on y va beaucoup sur, je dirais peut-être, se donner la balle, faire des longs dégagements et défendre, faire les arrêts. Est-ce que tu es un peu d'accord avec moi? Est-ce que je vois, c'est pas mal ça?
Ben oui, je vois qu'on dirait qu'il n'y a pas trop de contrôle de balle, c'est plus du dégagement, mais... Oh, là, il y a un petit whiff là-dessus, ça donne une très belle occasion. Et c'est Sirzi qui va finir par la mettre dans le filet. Et qu'est-ce qui se passe du côté des Lynx? On se rappelle, la dernière partie, c'était serré 0-0 tout le long. Et après ça, un dernier but pour Joliette qui remporte. Et là, les Lynx ne peuvent rien faire. 3 buts pour Joliette déjà. Oui, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de communication dans ce troisième match. Comme là, il y a 2 joueurs qui ont manqué, si je ne me trompe pas. Donc, ça donne des belles occasions pour Joliette. Et il en profite amplement. Et on a failli en avoir un quatrième, là. Ça commence à avoir un léger écart. Et là, oh! Ouh! Shoyo qui ne peut arrêter cette balle. Un beau contrôle et bien vu de la part de Isilexi. L'emplacement complètement à gauche dans le but empêche Shoyo de se rendre. Et vu qu'il ne peut pas se rendre, eh bien, c'est dedans. C'est un autre but. 4 buts contre 0 à cette troisième partie de ce BO5. C'est un tir compliqué à arrêter pour Shoyo, ça, parce que le joueur l'a envoyé vers la gauche. Amaru était là, mais il espérait un tir un petit peu plus haut. Finalement, le tir est allé plus bas et Shoyo est un petit peu trop loin pour l'arrêter. Et on continue avec Padalol qui renvoie dans le centre. Près de la zone des buts et la balle qui va flotter quelques instants et on arrive à pas faire grand chose ici. Par contre, on compte ce tir, un bel arrêt ici et on commence à trouver des ouvertures. On est très bien positionné du côté de Joliette par contre et on n'arrive pas à faire un but parce que Joliette est encore très bon en défensive lors de cette partie. Et avec l'avance, peut-être qu'ils vont peut-être jouer un peu plus le temps avec l'avantage. Oh, ben oui, là, il est où? Un cinquième. Encore une fois, il y avait juste un défenseur du côté des Lynx devant le but. Il y a eu une passe directement devant le filet. Ah non, il y avait un deuxième défenseur, mais le tir était tellement bien placé. Amaru pouvait rien faire là-dessus. Même s'il avait essayé de la flip vers l'arrière, il n'aurait pas pu toucher à la balle et ça fait maintenant 5-0. 5-0, ça ne ferme pas les livres. Il y a quand même beaucoup de temps aussi dans Rocket League, ça peut changer très rapidement. Par contre, c'est sûr qu'un peu le mental des Lynx en ce moment est peut-être en train de se dire on tente le tout pour le tout à cette partie, mais l'important c'est qu'à la prochaine, on reprend ça fort. Bref, j'espère qu'on va trouver le problème du côté des Lynx et revenir en force. Il reste 2 minutes à cette partie, toujours 5-0, lors de cette troisième partie de ce BO5 en l'honneur de Joliette. Et là, c'est Amaru qui va essayer de faire un 50 dans le filet, mais c'est raté. La balle s'en va dans le coin. Sugzi qui va la renvoyer vers le but des Lynx. Shoyo qui la bloque. Sugzi la renvoie dans le coin des Lynx. Et c'est Hypnotix qui réussit à venir faire la touche. Padalol qui est là pour arrêter la balle. Padalol qui la renvoie dans le coin. Il va essayer de faire un centre, mais c'est intercepté par Hypnotix. Shoyo qui va réussir à faire un beau 50 et ça se retrouve devant le filet de Joliet. On a des beaux 50 ici. Par contre, là, on voit ici que... Je sais pas, est-ce que les Lynx sont en train de se jeter? On dirait peut-être que j'ai vu à l'image, en tout cas, que quand les Lynx y vont, ils ratent la balle, ils sont rendus l'autre côté de la map. Peut-être que ça peut faire une différence. Oui, j'ai aussi l'impression que les Lynx, ils font un petit peu de overcommit. Souvent, ouais. Je vois que les joueurs, le deuxième joueur n'est pas revenu à la défense. Oh, et encore une fois... Cadéante. Le deuxième joueur n'était pas revenu à la défense, et là il y a eu une offense, et ouh, ça tape la barre horizontale! Et là, c'est Joliette qui n'était pas là pour compter ce but sur la ligne des buts. Ils n'ont pas besoin de ce but avec 5 buts d'avance, mais imagine s'ils avaient besoin de ce but-là, c'est crève-cœur si c'était un but de prolongation en fait. En effet, puis Sirxy qui a pas réussi à repousser son tir initial dans le but. Comme tu dis, si ça avait été un tir en prolongation, ça aurait été crève-cœur. Shoyo qui dégage et avec une démolition ici, on tente qu'elle ait un peu plus jouer du coude, mais ça ne changera pas grand-chose étant donné que les Lynx, à cette heure-ci, ce sera pratiquement officiellement une victoire. Avec 6 secondes au tableau, c'est fait. 5 secondes, et voilà. 5
buts contre 0. Un blanchissage qui va bientôt se confirmer. Parce que tant que la balle n'est pas au sol, on ne peut pas le confirmer. Voilà, une victoire pour... Donc, 2-1 pour Joliette au cours de cette partie. Et là, on va voir le résultat. Et écoute, il manque juste une partie à gagner du côté de Joliette et ce sera la victoire. Donc, il faudra quand même qu'on revienne assez vite dans les niveau concentration, niveau rotation, parce que ça prend les deux prochaines victoires du côté des Lynx pour gagner. Sinon, c'est terminé. Oui, mais en effet, c'est un best of 5 aussi. Donc, c'est le premier à 3 matchs. C'est pas fini pour nos Lynx. S'ils réussissent à gagner les deux prochains matchs, ils peuvent repartir avec la victoire ce soir. Mais en effet, je pense qu'il faudrait peut-être se concentrer un petit peu plus sur les rotations. J'ai remarqué que souvent, le deuxième joueur de l'attaque n'était pas revenu. Et le troisième, il allait dire que ça a souvent laissé des buts ouverts pour Joliette. Donc, peut-être réviser ça un petit peu. Essayer d'arranger ça pour la quatrième partie. Puis écoute, je pense que ça va bien se passer pour nous. Et Amaru avec 3 arrêts quand même pour les Lynx. Le seul à avoir fait un but, soit un but, soit une passe, soit un arrêt. En fait, 3 arrêts, c'est quand même très bien. Donc, peut-être que si Amaru continue d'être dans les buts, on voit qu'il est bien à l'aise. Peut-être laisser au moins de rester dans les buts un peu plus. Je sais pas, ça va être quoi la stratégie des Lynx. Mais 3 arrêts, c'est quand même pas rien. C'est dommage que les Lynx n'aient pas compté un but parce qu'ils ont arrêté quand même quelques-uns. Et on y va avec cette quatrième partie, peut-être la dernière de cette première série de la soirée. Et on continue avec justement nos Lynx contre Joliette. Là, c'est Shuyu qui l'envoie dans le coin des Lynx. Shuyu qui va essayer de partir pour un petit aerial, va essayer de flitter dans la balle et c'est bloqué par Hypnotic. C'est Pusso qui va être là. Il va tirer vers le filet et ça tape le côté du filet. Amaru qui va faire un beau 50. Ça se retrouve devant la cage de Joliette. Amaru qui va retoucher la balle et c'est un bel arrêt de Fabulous. Sugzy qui va la renvoyer vers la zone des Lynx. Shuyu qui va intercepter. Hypnotic qui va essayer de l'arrêter, mais il le renvoie directement dans son coin. Shuyo qui l'envoie vers le centre, un petit peu trop haut pour Amaru qui va essayer juste de la centrer pour peut-être Pusso, mais Pusso ne réussit pas à atteindre la balle. Pusso qui va la renvoyer sur le mur, Shuyo qui décolle dans les airs, va essayer de l'envoyer sur le backboard, mais c'est bloqué par Hypnotic. Amaru qui réussit à la reprendre, va l'envoyer vers le but, quel bel arrêt de Sylvie. Hypnotic qui la renvoie dans le coin des Lynx encore une fois. Pusso qui va essayer de prendre son temps, va la dégager du côté de Shuyo. Shuyo qui va la renvoyer vers le centre, un petit peu trop loin pour Amaru, et c'est bloqué par Fabulous. Donc là, c'est Hypnotic qui reprend la balle, va faire un beau 50 pour l'envoyer dans le coin qui se ramasse directement devant le filet. Et Fabulous qui va... Ouh! Kill! Ça a passé proche pour Sylvie de faire l'arrêt, mais malheureusement, il n'a pas réussi à l'arrêter. On a envoyé la balle directement sur le poteau, mais le poteau rentra malheureusement. Ça aurait pu être un poteau sortant. Et là, ça donne un but pour les Lynx. Ouais, en effet, je pense que malheureusement, il essaie de l'envoyer par-dessus son filet, mais il a manqué juste un petit peu pour lui pour réussir à faire l'arrêt. Donc là, c'est Hypnotic qui s'en va puis l'envoie vers le centre. Amaru qui va réussir à la dégager du backboard. Sugzy qui va prendre le contrôle et réussir à déjouer le défenseur et essayer de fake Pusso, mais ça ne fonctionne pas. Mais ça se retrouve vers Amaru, c'est bloqué par Fabulous et là, il y a un petit bond bizarre qui s'en va vers le centre. Hypnotic qui réussit à faire un beau 50. Oh! Et là, c'est Amaru qui rate la balle, Pusso qui réussit à bien l'arrêter. On a vu ici les joueurs de Joliette qui ont pris du temps avant de y aller pour faire le tir. Et aussitôt qu'ils arrivent, ils ont pris un peu trop de temps, se sont fait arrêter par les Lynx. Donc, heureusement pour les Lynx, ils n'étaient pas là au bon moment et on aurait pu arrêter ça. Et là, encore une fois, là, c'est trop tard. C'est 1-1. C'est un tir bien placé, ça, de Hypnotic qui a réussi à l'envoyer. Il y avait deux défenseurs déjà dans les airs et il a réussi à l'envoyer pile où est-ce qu'il y avait personne. Donc, un très beau tir de la part d'Hypnotic. Avec 3 minutes à faire au tableau, 3 minutes 2, on va continuer avec une égalité. Et on rappelle que les Lynx doivent gagner cette partie ainsi que la prochaine. Sinon, c'en est fini pour eux. Et là, ben, c'est un très bon début de partie parce que une égalité avec une belle arrêt ici. De Fabulous. Donc là, c'est Pusso qui va essayer de la renvoyer vers son coin et c'est réussi. Amaru qui prend le contrôle. Mais Sligzy qui est là, mais il réussit à envoyer la balle en dessous de Sligzy. Fabulous qui la dégage vers la zone des Lynx. Pusso qui est sur le backboard, il va essayer de faire une soft touch. Il l'envoie vers le centre et c'est un 50 de Shuyo. Notez qu'il va essayer de la renvoyer vers le centre pour Fabulous. Fabulous qui va tirer
Et Oshoyo qui fait un beau backboard clear. Ça aurait pu être un home goal. C'était vraiment pas loin, mais heureusement, il a réussi à l'envoyer au-dessus de son filet. Oh, le c'est un autre. Oh, non, c'est un autre belle occasion. Ouais, si on ratait pas la balle de ce côté-là, on a un petit peu de whiff de chaque côté ici. On aurait pu avoir un autre but, mais on garde l'égalité et un tir ici. Est-ce que c'est cadré? Non. Et on va continuer justement avec une balle qui... On commence à jouer un peu plus agressif, hein, au rapport de l'autre partie. Ben, je pense que les Lynx ont remarqué que... Ils ont une bonne défense, fait que s'ils veulent réussir à faire des buts, il va falloir qu'ils jouent plus rapide que le Cégep de Joliette et il faut qu'ils commencent à mettre un petit peu plus de pression. Et là, c'est une belle occasion pour justement Joliette qui va malheureusement rater le tir. Ouais, avec deux joueurs dans le camp des Lynx et ils ratent la balle. Peut-être que ça peut être une option aussi d'y aller plus vite pour être plus vite que l'adversaire et d'avoir plus d'erreurs, mais au moins d'être plus vite que l'adversaire, donc plus d'occasions. Ça peut être une stratégie. Et là, avec une 15 au tableau, toujours l'égalité et quelques tirs au but, quelques arrêts. Et ça continue. Donc là, c'est Hypnotique s'il envoie dans le coin des lignes, c'est intercepté par Amaru. Amaru qui va aller bump Hypnotique, qui laisse la place à Puceau pour prendre la balle. Puceau va l'envoyer. Il va essayer de la dribble. Et ouh, quel bel arrêt de Silksy. Ça aurait pu être vraiment dangereux pour Julien. Amaru qui l'envoie. Le centre Shoyo qui prend l'envol. Va essayer d'aller à double tap, mais l'envoie directement dans le coin. Amaru qui est là pour faire le 50. Ça se retrouve directement dans le filet, mais Fabulous est là pour la dégager dans son élex. Puceau qui la renvoie encore une fois dans la zone de Juliette. Et c'est intercepté Fabulous qui va faire un beau read, mais c'est intercepté par Shoyo. Silksy qui va la renvoyer vers le centre. Shoyo qui essaie de la toucher, mais c'est raté. Heureusement qu'il n'y avait aucun joueur de Juliette qui était là. Fabulous qui la renvoie encore vers le backboard. Silksy qui est là pour le retour, mais c'est une belle interception de Puceau. Netix qui va la renvoyer encore une fois. Shoyo qui réussit à intercepter. Il prend son envol, va essayer de la dégager vers Amaru. Ça s'est intercepté encore une fois. Puceau prend la balle dans le coin, il va essayer de la centrer, c'est bloqué par Silksy. Fabulous qui est intercepté par Amaru. Hypnotix qui reprend la balle. Shoyo est là, il l'attend. Un beau centre, mais malheureusement, Fabulous était là. Et on a une prolongation, mon cher Wook. Prolongation qui pourrait coûter cher ou qui pourrait faire du bien aux Lynx. Tandis que les Lynx doivent gagner cette partie, sinon c'en est terminé pour ce BO5. Ben c'est ça, ça pourrait aussi remonter le moral pour la prochaine série, mais il va falloir voir comment ça se passe dans cette prolongation. Donc là, c'est Fabulous qui dégage. Bien arrêté de la part des Lynx. Et ça continue avec un jeu aérien. Un tir bien arrêté, encore une fois. Une belle défensive du côté des Lynx, mais on se fait bombarder. Et là, on rate le tir! Ouh. Deuxième joueur, bel arrêt d'Amaru. Amaru qui fait peut-être l'arrêt du match, en tout cas pour cette prolongation. Ouais, ça aurait pu être dangereux. Fabulous qui a fait une petite double touch, qui a réussi à la rediriger directement vers le centre des Lynx, ça aurait pu être dangereux. Bien, bel arrêt encore une fois. Amaru, on l'aura vu, hein. De très beaux arrêts lors de cette série. Ben oui, Amaru, quand il y a une attaque de Juliette, il est tout le temps dans le but pour arrêter la balle. Donc je pense que. Heureusement qu'il est là ce soir parce que peut-être que le score aurait été beaucoup plus. Non, c'est ça. Hey, Shoyo qui envoie ça loin dans les airs, peut rattraper pour lui-même et tente d'y aller avec le backboard, peut-être une double touch qui ne pourra compléter. Mais on garde la tête du côté des Lynx et on devient peut-être un peu plus nerveux du côté de Joliette. L'attaque et la domination pour l'instant du côté de Enoropati qui complète avec cette victoire en prolongation après 1-26. Amaru qui l'a envoyé directement dans le coin, ça a tapé comme le rebord en bas du mur pour faire un beau lever au milieu du filet et il y a Shoyo qui a pu prendre le tir et marquer ce but en prolongation. Oui, très beau but ici et il est important ce but-là parce que à partir de maintenant, eh bien, c'est l'égalité 2-2 et on rappelle que ben là on va voir les pointages au tableau, voilà. Et on va nous voir apparaître aussi, parce qu'on faut qu'on voit aussi qu'on est là. Et on a de très beaux pointages. Et Shoyo, 4 arrêts. Amaru, 2 arrêts. Puce, 2 arrêts. 8 arrêts ensemble. Écoute, je pense que Joliette était quand même assez là niveau attaque. Mais les Lynx ont quand même réussi, justement, à prévoir le coup et à combler les arrêts qui sont faits
qui se sont fait tirer dessus. Hein? Ben oui, c'est ça. C'est quand on regarde les stats en ce moment, on voit que la défense des Lynx a été très bien structurée pendant cette partie. 8 arrêts. On voit que Joliette ont fait 14 tirs en tout dans la partie. Donc, ils ont vraiment mis de la pression sur nos Lynx. Nos Lynx ont quand même su laisser rentrer seulement un seul but, tandis que nos Lynx ont fait 7 tirs et on a réussi à gagner la partie 1-0. Yes! Donc, on tente de voir si les Lynx garderont le rythme pour cette dernière partie de ce BO5. C'est là que ça se décide. Ça va prendre un gagnant. Est-ce que ce sera Joliette? Est-ce que ce sera les Lynx? Enchaînons avec la partie numéro 5, en fait, la dernière de cette série. Walk. Et là, on commence avec un but de Puce. Déjà, les Lynx qui se disent « Non, c'est maintenant nous qui avance dans cette série. On est égal, mais cette partie, elle est à nous. » Très beau but. Écoute, il a bien lu le jeu. Le défenseur Ignatius qui essaie de la renvoyer de l'autre côté. Je pense mais qu'il a raté sa touche. Il est retombé directement devant son filet, mais écoute, Puceau qui était directement pour prendre la double touche. Et on va continuer ici avec Shoyo qui prend son temps. Et qui va se faire avoir par un 50, un tir de Xlexi qui touche le cadre supérieur. Et on tente avec des 50 de passer au travers de la meute, en fait, de toutes des joueurs. Et on réussit, mais rien de plus que de l'attaque et des arrêts. On continue maintenant en milieu de terrain, Shoyo, Amaru et... on tente d'attaquer un beau tir, un bel arrêt ici. Shoyo. Un tir de reculons ici. Très beau tir et ça va mettre la pression. Ça va même peut-être donner l'occasion à Puce. À Puce de faire le but. Belle passe. Et un tir. Et c'est le but. Deux buts d'avance. En fait, 2-0 pour les Lynx lors de cette partie. Oui, très beau backflip de Shoyo. Écoute, il l'a envoyé sur le backboard. Ça retombe directement encore une fois devant le filet. Et ça a permis à Puceau de marquer directement avec le double tap. Il a bien le jeu encore une fois. Je remarque peut-être que Puceau, il serait le joueur pour les backboard shots. J'ai remarqué ses deux buts pendant la partie, c'était des double taps. Donc peut-être que c'est le joueur pour l'offense en ce moment. Puceau qui, dans le coin, se fait ça va démolir Fabulous. Et la balle qui fait un peu de ping-pong. Il a le temps de revenir dans son coin. Un tir dangereux ici. On n'est pas assez prêt pour faire le tir du côté de Joliette. Ça aurait pu faire mal. On était un peu loin. Et ça continue en milieu de terrain. On est encore un peu plus comme il y a deux parties. Un peu plus en milieu de terrain, mon cher Wook. Oui, là, je remarque que les Lynx sont mettent quand même beaucoup de pression, contrairement à la partie juste avant même. Écoute, ils ont des bonnes occasions, ils ont de la bonne défense, puis j'ai l'impression que ça peut être peut-être un bon match pour nos Lynx, mais faut pas parler trop vite parce que le match est pas encore fini. Ouais, quand les Lynx sont on l'attaque et ils sont là et ils nous le démontrent en faisant déjà deux buts en quelques secondes. Faut juste les garder cette avance-là. On voit oui, maintenant encore une belle attaque là. Ça va rester. Peut-être dans le territoire de Joliette parce que Shoyo était bien placé en défense. Donc on voit bien qu'il y a toujours un joueur en défensive qui est là pour dégager de l'autre côté, du côté des Lynx. Et ça peut être vraiment avantageux et ce qui va faire la différence lors de cette partie probablement. Oui, les Lynx sont au courant qu'ils sont en train de gagner 2-0. C'est la dernière partie de la série. Donc ils veulent pas se faire marquer de but. Ils se disent... Si on peut augmenter l'avance à 3-0, peut-être que ça peut être bon, mais l'avantage, c'est de ne pas se faire marquer. Et à date, il exécute la défense à merveille. Un double commit ici, mais qui n'était pas dangereux. Joliette qui est un peu loin. On tente d'y aller sur le wall avec Amaru. Le tir, et ça touche! Ouh. Et ça! Double poteau! Et quand même, on réussit à garder la pression. Ça reste et ça demeure dans le territoire de Joliette. Donc, toujours une belle attaque du côté de Cégep et Dombon-Petit. Et quand même, une belle défense aussi. On ne laisse pas Joliette attaquer lors des dernières minutes. Ben oui, j'aimerais bien commenter sur la défense des Lynx, mais on est beaucoup dans leur attaque dans cette partie. On dirait que les Lynx ne laissent pas Joliette respirer. Ils sont tout le temps dans leur zone puis ils mettent de la belle pression.
On continue ici avec avec 60 secondes à faire. 120 secondes à faire au tableau. Et on va continuer justement avec. En fait, non! Je me laisse avoir. Il reste seulement une minute au tableau. Tabarouette, ça va vite. Est-ce que les Lynx vont réussir à garder les deux buts d'avance? On garde la balle en milieu de terrain. Ici, X-Lixy qui va contrôler. Hypnotix, Amaru. Et là, ça joue en milieu de terrain. Choyo qui dégage. Amaru, le tir et la barre qui empêche cette balle de rentrer. Mais très beau tir avec une belle puissance. Et là, la balle qui va directement dans les cases. Et un arrêt. Et là, ça continue. Une belle attaque. Et on joue pas safe. On joue avec une attaque. On continue à mettre la pression. Très beau jeu des Lynx. Choyo qui rate cette balle. Ça pourrait faire mal à 29 secondes. Ben oui, 29 secondes, c'est en masse de temps pour Joliette pour marquer un but. Comme j'ai dit tantôt, là, les Lynx ont l'avantage à 2-1. Donc le but, c'est de ne pas se faire marquer. Je comprends que les Lynx, ils mettent beaucoup d'offensives dans cette partie. Mais là, vraiment, le but, c'est de pas empêcher, c'est de empêcher Joliette de marquer dans le but des Lynx. Et là, on continue. On tente de continuer dans la zone de Joliette, au moins de garder la balle loin. Loin des buts des Lynx, avec 10 secondes à faire. Une belle attaque encore, Choyo. On continue. Choyo, est-ce qu'il va contrôler? Est-ce qu'il va laisser tomber? Bref, est-ce qu'on confirme la victoire des Lynx? C'est pas terminé, la balle n'a pas touché le sol. Et on touche le sol. Victoire du côté du Cégep Édouard-Montpetit avec 3 contre 2 pour cette série BO5. Une belle série ici. Pour le Cégep Édouard-Montpetit qui tirait de l'arrière après avoir gagné une partie. Et ensuite, avec deux séries d'écart, là, deux BO d'écart, là, on a tout rattrapé. Félicitations aux Lynx. Que dire de plus? Ben oui, c'était une bonne partie. Écoute, comme on avait dit, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. À 2-1, les Lynx ont quand même réussi à gagner les deux parties d'après pour remporter la série 3-2. C'est une très belle série. On a remarqué aussi dans la dernière partie qu'ils ont mis beaucoup plus de pression et on voit que ça a fonctionné contre Joliette et ils ont réussi à remporter la série 3-2. Yes! Eh bien, c'est pas terminé pour cette soirée parce que, justement, on va avoir une autre série dans quelques instants et... qu'est-ce que le prochain match? Eh bien, le prochain match, ce sera Shawinigan qui affrontera encore une fois l'équipe des Lynx 2. Parce qu'on rappelle que les Lynx ont deux équipes sur Rocket League, Lynx 1 et Lynx 2. On a vu un peu Lynx 1 la semaine dernière, mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur Lynx 2. Donc, on verra le nombre de temps de pause qu'on aura. Mais dans quelques instants, on revient pour le match du Cégep Édouard-Montpetit. Équipe numéro 2 contre Cégep de Shawinigan. De retour dans quelques instants pour la suite des choses. À tout de suite. Thank you.
We'll be right back.
I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. Feel.
Et on est de retour pour cette deuxième série. Et contre qui qu'on joue? Je crois qu'on joue contre Shawinigan, mon cher Wook. Rebienvenue parmi nous. Merci, encore une fois. Yes. Alors, parle-moi de cette équipe, Shawinigan, les Lynx 2. Écoute, qu'est-ce qu'on va avoir comme match lors de cette deuxième série de BO5 ce soir? Écoute, je pense que ça va être un match quand même assez intéressant. Donc, avant le premier BO5 qu'on a eu ce soir, Shawinigan était premier dans la ligue. Ce soir, ils ont joué contre les Lynx 1. Ils ont malheureusement perdu. Donc, maintenant, Shawinigan qui est rendu deuxième position. Les Lynx 1 qui sont rendus première position. Et on a les Lynx 2 qui sont direct en dessous de Shawinigan. Donc, je pense que ça va être un match quand même assez intéressant. Encore une fois, Shawinigan qui a 4 victoires, 1 défaite. Nos Lynx 2 qui ont 3 victoires, 2 défaites. Donc, c'est quand même un classement assez proche. Ouais. Et côté partie en tant que tel, Shawinigan ont 13 victoires, 7 défaites. Et les Lynx 2 ont 11 victoires, 9 défaites. Effectivement, très belle statistique. Merci pour ces statistiques. Et justement, on va pouvoir démarrer cette première partie de ce BO5. On entend le doux bruit des moteurs et on démarre ça en force pour ce deuxième BO5 de cette soirée contre Shawinigan. C'est carton à papier qui s'envole, c'est Shoyu qui fait l'arrêt, Baguette qui réussit à la renvoyer devant le filet, Padalol qui la renvoie vers Shoyu, Shoyu qui la dégage dans le coin des Lynx. Carton à papier qui réussit à garder ça dans la zone des Lynx, mais c'est Padalol qui va essayer de dégager, c'est bloqué par Benefic Thierry. Donc là, c'est Shoyu qui va essayer de la dégager, c'est raté, Baguette qui la renvoie vers le centre, bloqué par Amaru. Carton qui va essayer de faire un tir, c'est bloqué par Padalol. Et là, c'est un 3 contre 2, si je me trompe pas. Shoyu qui s'avance, prend son temps. Va essayer 50 Baguette, mais malheureusement, ça ne passe pas. Padalol qui réussit à garder la pression dans le coin. C'est dégagé par Carton. Amaru qui va essayer de la renvoyer vers Padalol, mais c'est bloqué par Beneficiary. Ça va vers le plafond. On va essayer de faire un ceiling touch. La renvoie vers le centre. Quelle passe à Baguette! Wow! Incroyable!
Ben oui, c'est un très beau jeu. Là. Il a un beau ceiling shot directement sur Baguette qui réussit à finaliser le jeu. C'est là qu'on voit que c'est une équipe. Ça prend pas juste un joueur dans une équipe, ça prend une équipe complète. Et là, avec deux joueurs déjà, un très beau jeu d'équipe. Et on implique justement un but dans cette partie. Donc là, c'est Padala qui va dégager dans le coin. Padala qui va essayer de poursuivre vers le centre. Va réussir à faire le bump au centre. Et Amaru qui réussit à la mettre dans le fond de la cage de Shawinigan. Top corner pour les Lynx. Et oui. On a une égalité. 3 minutes 58. Et c'est pas fini. Ça ne fait que débuter. Ça commence. Et là, je pense qu'on aura une série de BO5 avec beaucoup d'attaques, beaucoup d'agressivité. Et on aime ça comme ça. Oui, je pense aussi que ça va être une série avec beaucoup de jeux de passe, beaucoup de positionnement, beaucoup de stratégie. Donc, ça va être une série assez intéressante pour les Lynx 2 et pour Shawinigan aussi. Donc là, c'est Beneficiary qui va essayer de la wave vers le centre. Shoyu qui réussit à la bloquer. Là, c'est Baguette qui va faire un beau aerial qui a pris Amaru par surprise. Une balle très lente, 33 km à l'heure, mais une touche de Baguette tellement précise et minutieuse pour aller directement dans le fond du filet, dans le fond, complètement en bas à droite. Ben, en fait, en bas à gauche. Incroyable, une touche qui vaut certainement un but. Ben, je crois qu'Amaru était déjà prêt à partir à la force avec ses coéquipiers. On dirait qu'il essayait de tourner devant le filet, mais malheureusement la balle est revenue directement vers lui. Il était en mauvaise posture pour pouvoir arrêter cette balle. Oh, là, c'est Baguette qui enchaîne directement après encore. Est-ce que l'équipe de Shawinigan serait plus rapide que les Lynx? Parce que la défensive n'était pas encore revenue pour défendre du côté des Lynx. Mais non, c'est ça. Je pense qu'en effet, la rapidité de Shawinigan, ça va être un point assez important dans cette partie. Il va falloir voir si nos Lynx 2 vont être capables de garder la cadence face à cette rapidité de Shawinigan. Puis c'est Baguette qui s'en va sur le ceiling. Il va essayer de l'envoyer vers le centre. C'est bloqué par Amaru et Padala en même temps. Beneficiary qui va la renvoyer dans le coin. Il va faire un dégagement. C'est bloqué par Padalol. Et là, c'est Baguette qui va réussir à intercepter le tir. Beneficiary qui va réussir à la renvoyer sur le mur. Et là, c'est Carton qui rate sa touche malheureusement. Mais Beneficiary réussit à la reprendre. Et c'est bloqué par Shoyo. Shoyo qui dégage vers le centre. On va essayer de l'envoyer vers le coin de Shawinigan. Mais c'est bloqué par Baguette. Baguette qui rate sa touche malheureusement. Heureusement son coéquipier est là derrière lui. On va essayer de faire un aerial. C'est bloqué par Amaru. Carton qui va encore essayer de tirer. Bloqué encore une fois par Amaru qui dégage. Il réussit pas à suivre le jeu. Par contre Padala qui va essayer de faire un tir. Bel arrêt de Beneficiary. Carton qui s'envole dans les airs. Mais là les deux coéquipiers en même temps de Shawinigan dans les airs. Ça aurait pu être dangereux. Amaru qui va réussir à fixer ça devant son filet. Carton qui dégage dans le coin. L'envoie vers le centre. Baguette qui rate son tir. Shuyu qui réussit à l'envoyer vers le centre. Padala qui est dans les airs mais c'est intercepté par Beneficiary. Donc là c'est Baguette qui la renvoie de l'autre côté. Mais malheureusement aucun de ses coéquipiers était là. Beneficiary qui s'envole. Carton qui est là pour le retour. Baguette aussi mais malheureusement personne ne peut la mettre dans le cas. Encore une belle attaque là, du côté de Shawinigan. Et on tente de ramener la balle de l'autre côté. Mais les Lynx ont un peu de difficulté parce que l'avantage... Écoute, est-ce que ce serait les 50? Est-ce que ce serait qu'on est mal positionné? Bref, les Lynx ont besoin d'un petit plus pour remporter cette partie, d'après moi. Ben moi, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu d'agressivité. Là. Je remarque qu'on en parle justement, l'agressivité. Une très belle attaque ici de Shawinigan qui mène maintenant la partie 14. Oui, on gagne le 50. On ramène la balle directement devant le filet. Et on ne peut que laisser Carton en papier faire le tir. Et le but, quatrième but pour l'équipe de Shawinigan. Une très belle avance en cette première partie de ce BO5. Oh! Et là, le beau bomb de la part de... Beneficiary, je pense que c'était ça. Oui, très beau bomb de sa part, aerial bomb, puis ça laisse le but grand ouvert pour Baguette. Oui, un but complètement ouvert et Shoyo qui tente de tirer, mais il peut pas tirer ben quelque part parce que ça va directement au fond du filet. C'était tellement beau jeu. Des fois, pas une démolition obligatoire, mais juste de bumper l'adversaire, ça rend la cage complètement béante. Et même si les lignes sont bien positionnées, écoute, un bump et c'est fini!
Là, on passe la balle par-dessus Shoyo. Et un sixième pour Shawinigan. Encore une fois, un beau jeu. On remarque que Shawinigan, il joue beaucoup en équipe. Puis on a l'impression qu'ils sont aussi plus rapides. Ils ont plus d'aise dans les airs à lire le jeu. Je pense que ça va être compliqué pour nos Lynx. Mais la série ne fait que commencer. Yes! Et là, Baguette qui va laisser la balle voler. En fait, il n'y a pas de danger. Les Lynx qui prennent leur temps pour reprendre cette balle et qui réussissent à amener ça dans le territoire de Shawinigan, mais pas très longtemps. On dirait que Shawinigan était là. Et là, on rate la balle. Est-ce qu'on aura quand même un tir? Oui. Mais ça fait pas bien peur. Ça va continuer à mettre un peu d'agressivité dans cette partie. Et est-ce qu'on va pouvoir compter avec Amaru? Ouh. Qui met une belle pression, mais qui se fait détruire par la suite. Écoute, 20 secondes à faire, 5 buts, c'est pas mal impossible. On va devoir se reprendre à la prochaine partie. En effet, ça va être très compliqué d'en monter maintenant, un écart de 6 buts en plus. Le Brésil à 16 secondes. En effet, écoute, je remarque que Shawinigan sont beaucoup plus rapides que nos Lynx. Il va falloir forcément ajuster quelque chose pour la deuxième partie après ça. Là, c'est un kick-off encore une fois. Amaru qui passe sur le kick-off avec Baguette. Baguette qui l'emporte. Beneficiary qui est déjà dans les airs. Va essayer de l'envoyer dans le coin et ça rentre dans le filet. Padalol encore une fois qui était pas dans le bon angle pour arrêter cette balle. Plus rien à faire pour les Lynx lors de cette partie. C'en est terminé. Mais on parle d'une partie, on parle pas de la série. La série, c'est un BO5. Si on parle de la prochaine, il en reste plusieurs autres. Écoute, les Lynx ont amplement le temps de se reprendre. On va juste laisser le temps s'écouler dans ce... La minuterie se mettre à zéro. Et ensuite, j'en suis certain, les Lynx vont revenir au moins en force. Et voilà, les Lynx qui perdent cette première partie, mais ce n'est pas grave. On aura le temps de se reprendre. Shawinigan qui remporte cette première série. Encore une fois, c'est seulement le premier match de la série, donc tout peut se passer. Les Lynx ont encore en masse le temps de remonter ça. On a remarqué que Shawinigan sont assez rapides. Peut-être si les Lynx pouvaient commencer à jouer comme le dernier match qu'ils ont joué contre Joliette. Ils avaient mis beaucoup d'agressivité. Joliette n'avait pas beaucoup d'espace pour faire des jeux. Donc s'ils peuvent se mettre à jouer comme ça aussi, je pense qu'ils ont peut-être une chance de gagner la série. Et oui, et on a vu aussi ce qu'on a vraiment remarqué, là, le jeu d'équipe, surtout avec Baguette là, en début de partie, et la petite redirection vers son coéquipier et le tir. Écoute, ça vaut de l'or. Ben oui, on se rappelle, Rocket League, c'est un jeu d'équipe à la base, donc faut utiliser nos coéquipiers, puis Shawinigan nous a démontré comment bien utiliser nos coéquipiers, justement. Ils se sont fait des passes, ils l'envoyaient sur le backboard. J'ai remarqué aussi que souvent, quand ils l'envoyaient sur le backboard, c'était rarement le même joueur qui allait pour la deuxième touche. Donc, on voit qu'ils se parlent, on voit qu'ils communiquent, puis on voit ce que ça donne aussi. Ils ont gagné une belle victoire 8-1. Oui, une victoire qui est vraiment dominée par l'équipe de Shawinigan. Faudra au moins réduire un peu l'écart, là. Je veux dire, peut-être qu'on s'est laissé aller aussi, là, je sais pas. Mais on va voir ce qui va être de différent dans cette partie. Est-ce que ce sera un copier-coller? On l'espère pas. Et on enchaîne pour cette deuxième partie de ce BO5. Lynx contre Shawinigan, c'est parti. Donc, Baguette qui prend déjà la balle dans les airs, se fait faire un 50 favorable pour les Lynx. Puce qui ramène ça avec son équipe. On a une belle attaque qu'on va tenter avec Shoyo, passer ça par-dessus l'adversaire. Et ça revient immédiatement. On tente de dégager ça, mais là, Baguette, qui va avoir un peu plus de temps. Et non, ça va rester pas mal en milieu de terrain. Pas grand-chose de dangereux en début de partie. On va tenter de construire quelque chose. Magnifique. Terry qui va essayer de gagner du temps. On va essayer de jouer avec le temps ici. Contrôler peut-être. Un peu trop de temps malheureusement pour eux. Mais quand même! Et ça continue et on continue d'aller vers le territoire adverse, le territoire des Lynx. On joue un peu au ping-pong. Peut-être que les Lynx restent un petit peu plus en défense pour peut-être rester un peu plus, faire du ping-pong et peut-être plus
au moins réduire l'écart pour être un peu plus serré. Est-ce que tu penses toi aussi la même chose? Ouais, d'après moi, il essaye un peu de s'ajuster au jeu de Shawinigan. Là. D'après moi, il essaie d'attendre que Shawinigan fasse une erreur puis pour pouvoir en profiter puis marquer un but. Je pense que ça peut être une bonne stratégie pour nos Lynx. Mais comme je disais, je pense que l'agressivité va être bon aussi. Et quel but de Puceau! Incroyable! Puce qui réussit à mettre ça dans le coin. Une petite touche de Shoyo. Et Puce qui envoie ça sur l'adversaire qui tente de dégager à deux. Mais la balle est trop bien cadrée, trop fort pour être arrêtée. C'est un but des Lynx en début de partie. 1-0. Oh, attention! Et une égalité immédiate du côté de Shawinigan. Ouais, là, on a perdu le kick-off ici. Puis on a remarqué qu'il n'y avait personne devant la cage. Amaru qui a essayé de follow-up. Et il y avait aussi Puceau, je crois, qui était parti prendre le boost dans le coin. Donc la cage était grande ouverte et ça laissait un but pour Shawinigan. Eh oui, on tente d'attendre l'erreur du côté de Shawinigan, mais le kick-off peut être une erreur aussi du côté des Lynx. Il faut faire attention à ça. Ben oui, c'est important de faire attention que si on perd le kick-off, qu'il y ait au moins une personne devant le filet. Comme j'ai dit tantôt, Shawinigan sont assez rapides, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils gagnent la majorité des kick-offs. Ça serait peut-être important de garder un joueur dans notre cage pour être sûr qu'on se fasse, on se prenne pas un kick-off goal. Baguette qui tente de rediriger vers Benefic Terry, qui était mal positionné, ne peut prendre cette balle. Tardival qui tente de prendre des 50 favorables. Et on tente de contrôler les balles. En ce moment, Shoyo en défense, et il n'est plus en défense en fait, non! Au contraire, il a démoli! Il a fait une démolition, mais est-ce que c'est ce qui a fait un peu de boucan et empêché qu'il puisse faire l'arrêt? Oui, parce que ce que je viens de voir, est-ce que c'est moi? Mais il a été projeté par l'explosion. Je pense qu'il a essayé d'anticiper le tir et qu'il a sauté en avance vu que justement la boucane le cachait. Il savait pas tant aussi que la balle s'en allait, donc d'après moi, il a essayé de sauter. Ça se peut aussi que la démo l'a propulsé vers le haut. Écoute, je saurais pas dire, mais ah ouh! Très très beau but d'Amaru ici avec le flip reset, wow! Quel flip reset de toute beauté! Amaru avec le but, l'égalité à 2 minutes 26, 2 à 2. Quel tir, quel but d'Amaru! Donc là, on passe sur le kick-off. Bénéfice celui qu'on dit Shoyo. Shoyo qui parle à quelqu'un, Baguette qui réussit à la renvoyer. Amaru qui va l'envoyer vers Beneficiary, qui va intercepter, va essayer de la renvoyer vers le centre. Malheureusement, il l'envoie vers le coin. Parzival qui fait un petit peu de pression. Baguette qui la renvoie vers le centre, Amaru qui est là pour l'intercepter. Parzival se fait intercepter par Amaru, Amaru qui décolle dans les airs, se fait intercepter par Baguette. Baguette qui va essayer de l'envoyer, mais c'est un beau 50. Amaru qui réussit encore une fois à la dégager. Parzival va prendre la balle, l'envoyer dans le coin. Shoyu qui va faire un centre, Amaru est là. Mais c'est bloqué par Beneficiary. Shoyu qui reprend la balle, va la renvoyer vers le centre. Bloqué encore une fois par Shawinigan. Shawinigan qui s'avance avec la balle. Et c'est bloqué par Amaru qui la renvoie dans leur coin. Shawinigan qui fait un beau clear. Et là, c'est Parzival qui va essayer de la rediriger. Mais manque le but de peu. Mais c'est Baguette qui est là pour le retour. Tout a débuté par cette... Ce clear, ce dégagement complet. Et Shawinigan, malgré que ça ne peut pas rentrer au prochain tir, ça rentre au prochain. Écoute, l'équipe était là au complet. Ça a fait un bon travail d'équipe. Et ça l'a occasionné un but. Et maintenant, Shawinigan en avance de cette deuxième partie. Donc c'est Beneficiary qui la renvoie dans son coin. Baguette qui va essayer d'intercepter. Puis sûr qu'il va essayer de la renvoyer vers le centre, mais c'est encore bloqué une fois par Beneficiary. Amaru qui reprend la balle. Il va essayer de la renvoyer vers le centre, mais c'est raté. Beneficiary qui va faire un beau dégagement. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Shoyo, il n'y a plus de boost pour aller à la balle. Et c'est un but grand ouvert encore une fois pour Shawinigan. Eh oui, on a un dégagement qui est finalement un but directement au fond du filet du côté de Beneficiary. Incroyable! Mais la défensive, c'est ça, tu dis, peut-être un petit problème de boost. Ouais, c'est ça, d'après moi, il a essayé de prendre le middle boost, mais ses coéquipiers n'en ont pas laissé. Peut-être qu'il aurait eu le temps de rattraper la balle s'il y avait de boost. Ouais, là, ça a failli de très peu être un but là-dessus. Et on peut compléter avec
Maintenant, 50 secondes à faire de cette deuxième partie. On va tenter peut-être de jouer un peu plus agressif du côté des Lynx. Ça nous prend au moins deux buts pour égaliser et ensuite un autre pour gagner. Et on continue avec Pardival qui renvoie du côté territoire des Lynx. On se fait bousculer ici. On se fait maltraiter du côté de Benefic Tarry. Et Oh là 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 là! Cinquième but de la part de Shawinigan. Ça peut faire très mal pour les Lynx. Écoute, la balle était là, mais on peut voir qu'il n'y avait pas grand-chose que les Lynx pouvaient faire. Là. Les trois joueurs de Shawinigan étaient là. Peu importe le nombre d'arrêts qu'ils faisaient, il y avait tout le temps un joueur qui aurait pu être là pour le retour. Et ils ont réussi à faire la marque 5 à 2. On continue avec une vingtaine de secondes à faire. Et ça va être très difficile. On s'est fait avoir avec un but à la mise au jeu tout à l'heure. Ça n'aura pas aidé. Et là, Baguette qui renvoie ça de l'autre côté à Maru. Qui va essayer de jouer un peu du temps, mais n'auront pas le temps de faire trois buts. Et ce sera la fin. Donc, 2-0 pour Shawinigan après deux parties, donc 2-2. Et ça devra être un reverse sweep de la part de des Lynx ou bien une victoire du côté de Shawinigan. On verra ce qui va suivre. Et on va justement aller voir... les statistiques de cette partie, parce qu'elles sont bien intéressantes, les statistiques, mon cher Wook. Oui, en effet. Donc, Shawinigan qui a eu 8 tirs en tout dans la partie. Nos Lynx qui en ont eu 5. Donc, il n'a pas manqué d'occasion non plus. Seulement, les Shawinigan, ils ont eu 3 arrêts. Peut-être aussi qu'il y avait des tirs mal cadrés ou les deux buts, justement. Donc, on voit qu'il n'y avait pas tant d'écart entre l'intensité. Je veux dire, les deux équipes ont eu quasiment autant de buts. Peut-être juste un petit peu moins de défense du côté de nos Lynx qui a permis à Shawinigan justement de marquer un petit peu plus de buts. Oui, une belle pression aussi. Là. On a réduit quand même l'écart. Là. Cette première partie, on a eu un Brésil ainsi qu'un autre but. Et là, on a quand même une bonne écart de 3 buts. Mais les Lynx, en début de partie, je peux te dire que ce n'était pas pareil. Un très bon début de partie. Ouais, je sais pas tant qu'est-ce qui a changé dans le jeu de nos Lynx entre le début de partie et plus vers le milieu. Mais clairement, il y a de quoi qui a changé, peut-être dans leur mentalité aussi. Je veux dire, quand ils se font scorer un but, ils perdent l'avance, ils s'en vont marquer un deuxième, ils perdent encore plus l'avance. Peut-être aussi que ça a changé de quoi dans leur mentalité. Mais écoute, faut pas laisser ça abattre les Lynx, puis la série n'est pas encore finie. Effectivement. Et c'est rapport pour cette... troisième partie, peut-être cette dernière de cette soirée, si les Lynx ne remportent pas cette partie. Ça prend cette partie du côté des Lynx. Et là, je dis ça, et Benefic Tarry qui a le premier but de cette partie après seulement 7 secondes en début de partie. Ouais, très belle passe de carton. Benefic Tarry qui a réussi à l'envoyer directement dans le coin gauche de nos Lynx. Pas grand-chose qu'il pouvait faire là. Écoute, la balle était très bien placée. Et ça a fait 1-0 pour Shawinigan. Ça joue peut-être avec le mental aussi, là, avec au mental des Lynx de se faire scorer comme ça en début de partie. En effet. Donc c'est Beneficiary qui s'avance, intercepté par Shuyo. Carton qui va la renvoyer dans le coin. Il y a deux joueurs des Lynx qui vont y aller. Amaru qui l'envoie vers le centre et Puceau qui est là pour le retour. C'est maintenant 1-1 dans ce match. Et oui, 1-1. Et regardez le tir sur le backboard à Maru. Le fameux Puce qui prend cette balle, une cage complètement béante. Le tir et le but. Égalité à 4 minutes 31. Seulement une trentaine de secondes à faire et on égalise déjà. C'est ce qu'il fallait faire. Bravo les Lynx, on continue, on lâche pas. Go Lynx, go! Et c'est Amaru qui va s'avancer, c'est bloqué par Percival. Carton qui va la renvoyer dans le coin des Lynx. Puceau qui va essayer de la dégager du backboard, mais c'est raté. Amaru va réussir à intercepter la balle, va la renvoyer vers Puceau. Puceau qui a failli se faire bump, il va essayer de l'avancer vers la zone de Shawinigan, mais c'est raté. Amaru qui reprend la balle, va faire un petit flic par-dessus le défenseur. Il va essayer de mettre de la pression pour le renvoyer, il va le centre, mais c'est raté. Donc là, c'est Percival qui la dégage dans le coin de nos Lynx. Là, c'est une attaque qui pourrait être dangereuse. Heureusement, Amaru est là. Puceau va essayer de la dégager. Shuyo qui s'avance vers le centre, fait une passe à Puceau. Et Shuyo qui est là! Mais quel jeu de nos Lynx! Ce qu'on appelle dans le milieu un tic-tac-toe. Très bon jeu. Le tic, le tac et le toe!
de Shoyo qui complète ce jeu incroyable de nos Lynx. Quel beau but! Et un beau but d'équipe, faut le mentionner. Ben oui, un très beau jeu de passe. Ça a laissé le but. Je dirais pas grand ouvert, mais ça a laissé une belle occasion. Puis Shoyo qui a eu le but grand ouvert pour la mettre dans le but de Shawinigan. Incroyable! Et là, ça peut peut-être donner un peu de mental. Du positif dans le mental des Lynx. Un jeu d'équipe, là, c'est ce que ça prenait. Et là! Oh! Ça fait mal. Égalité de la part Shawinigan à 3 minutes 31. Encore une fois, ça fait du ping-pong dans ce match. Mais là, ça fait du ping-pong avec le score. On voit que il y a Shawinigan qui a marqué le premier but. Lynx qui égalise directement après. Et la même chose. Lynx a marqué et Shawinigan qui égalise. Donc c'est Amaru qui va aller la dégager vers la zone de Shawinigan. Ça va taper le backboard, Puceau qui manque la balle, mais il y a Shoyu qui s'en vient. Il fait un tir un petit peu trop faible pour Parzival. Amaru qui va la renvoyer vers le coin, il se fait bumper. Beneficiary qui va se faire bloquer par Amaru, Shoyu qui va essayer d'intercepter, mais il rate sa touche. Parzival qui va essayer de faire un tir, c'est raté, Shoyu qui va la dégager. Shoyu qui s'avance, va mettre la pression, il va tirer, Beneficiary qui s'est pris dans le poteau. Amaru qui la renvoie vers le coin, ça va vers le centre. Puis Sou est déjà dans les airs, c'est raté malheureusement. Ouais, on a pris jump du côté de Puce. Est-ce que c'est un peu trop tôt? Peut-être. Mais l'important, c'est qu'on garde la pression du côté des Lynx. Et ben, je crois que ça a été quand même assez bien fait. Oui, en effet, on voit beaucoup de jeux de passe dans ce match. Donc on aime ça, voir ça. Et là, il y a un but ouvert pour Amaru qui veut la dégager. Est-ce que Carto a le temps de rattraper? Et non. C'est maintenant 3-2 pour nos Lynx. Les Lynx qui reviennent dans ce match avec un but, un long tir d'Amaru qui, carton en papier, ne peut rien faire, un peu trop loin pour revenir à temps. Et voilà, on confirme que les Lynx reprennent les devants dans cette partie. Est-ce que ce sera comme ça jusqu'à la fin? Bref, on garde le tempo, on lâche pas et on continue comme ça. Amaru qui la dégage dans son coin va essayer d'aller pour un petit aérial. Il va la rater. Beneficiary qui reprend la balle. Parzival va contrôler la balle. Va essayer de faire une passe au centre, mais c'est bloqué. Puceau qui va réussir à la dégager. Là, il n'y a pas de défenseur vraiment du côté de Shawinigan, mais il a quand même réussi à rattraper la balle. Beneficiary qui reprend la balle. Il va... Là, le but est ouvert du côté des Lynx. Il va essayer de faire une passe. Carton qui est un petit peu trop proche du jeu. Et il a raté la balle après ça. Amaru qui s'avance. Un petit fifty avec Parzival qui se retrouve directement vers le but des Lynx. Beneficiary qui va essayer de taper sur le ceiling. Ça marche pas. Puceau qui l'envoie vers le centre vers Shoyu. Shoyu qui va faire un petit flick. Parzival qui est là pour la. L'envoie vers Beneficiary qui la renvoie vers Carton. Carton qui va la renvoyer sur le côté. C'est bloqué par Shoyu. Shoyu qui s'en va dans les airs va essayer de la renvoyer vers le centre. Parzival intercepte. Parzival qui va essayer de faire un pinch, mais c'est raté. Amaru peut donc la dégager dans le fond de sa zone. Mais ça tape le plafond. Parzival qui reprend encore une fois le contrôle, va essayer de l'envoyer de l'autre côté. Carton qui va s'avancer, va faire un centre avec le. Oh, j'ai rien dit, ce n'est pas un centre, c'est directement dans le but. Ça passe directement dans la défense des Lynx. Est-ce qu'on l'a vu venir, cette balle-là, qui est redirigée directement par le mur? Écoute, cette balle était cadrée, je sais pas si c'était prévu qu'elle soit cadrée, mais c'était prévu au moins qu'elle aille au moins devant le but. Et là, ben ça confirme l'égalité encore une fois dans cette série, dans cette partie. Shawinigan, un troisième but à 1 minute 10 à faire. Écoute, tout peut encore arriver. Non, c'est ça, une minute, la partie n'est pas finie encore. Les Lynx ont encore le temps de faire un but et de gagner la partie. C'est une belle pression aussi des Lynx, là. On va continuer... Parzival qui tente un jeu aérien peut-être de passer par-dessus la tête des Lynx. Et là, moi je trouve que c'est pas mal égal comme partie. Et beaucoup plus égal que les autres parties, les Lynx qui ont repris beaucoup de momentum. Et il n'est pas trop tard. On continue et on tente d'éviter les erreurs. Alors c'est ça, je sais pas si c'est des changements dans les équipes qui ont fait que le match est plus serré ou des changements dans leur style de jeu, mais j'ai remarqué qu'ils ont beaucoup moins de difficultés. Et là, c'est un rebond très bizarre sur Puceau qui va s'en aller vers le filet. Beneficiary qui va se retourner avec la balle, va essayer de dégager dans la zone des Lynx. Puceau qui redégage dans la zone de Shawinigan. Amaru qui monte dans les airs. Est-ce qu'il va réussir à mettre dans le but? Et quel but de Amaru! Wow!
Mais quel but de Amaru! Une belle passe ici! Et Shoyo, je pense qu'il faisait juste un petit fake la barre du haut. Écoute, c'est incroyable! Une balle si bien contrée dans le but à 10 secondes. C'était très important pour le momentum. Et voilà, les Lynx prennent le devant avec quelques secondes à faire lors de cette partie. Mais il reste 2 secondes, mais tant que le ballon touche pas à terre, c'est pas fini. Et j'ai rien dit, Shoyo qui va l'arrêter, mais c'est pas grave. Nos Lynx sont quand même vainqueurs de ce match 4-3 pour la partie numéro 3. Oui, et on survit du côté des Lynx avec une partie qui se termine quand même de justesse avec un super but à 10 secondes de jeu. Écoute, est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui a fait la différence? Je pense que je peux pas dire autrement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais oui, écoute, on regarde les stats maintenant, là, les tirs justement des Lynx. On regarde, ils ont mis beaucoup de pression dans ce match. Ils ont eu un total de 14 tirs. C'est vraiment beaucoup. Mais quand même, seulement 4 buts sur 14 tirs. On peut remarquer encore une fois que la défense de Shawinigan est très bonne. Oui, une très belle défense. C'est pas toujours évident de passer la défensive, mais quand on réussit, écoute, c'est parce qu'on fait un jeu d'équipe aussi. On l'a vu aussi à la fin, là, à 10 secondes, tout le monde était là. Des fois, quand les coéquipiers ne sont pas là, c'est plus difficile de compter seul avec une défensive si avancée du côté de Shawinigan. Donc, avec plus de joueurs, on réussit mieux à battre la défensive de Shawinigan. D'après moi, c'est ce qui fait la différence. Mais en effet, là, on a vu qu'ils se sont fait des passes. On dirait que les joueurs des Lynx se cherchaient sur le terrain. Moi, je trouve que ça leur a permis de mettre beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus de tirs au but. Et on a vu ce que ça a donné. Ils ont réussi à gagner le troisième match. Yes. Et on va bientôt pouvoir enchaîner. On voit les joueurs sur le terrain et le bruit des moteurs. Et on enchaîne encore une fois, peut-être cette dernière partie de la soirée. On verra bien. Mais les Lynx survivent. Et c'est pour ça qu'on est là encore à cette quatrième partie. Les Lynx qui mettent beaucoup de pression. On tente de dégager ici de carton à papier dans le territoire des Lynx. Shoyo qui est là. On va mettre un peu plus de pression. Baguette. Une balle dans les airs. Son coéquipier Tardival qui était là. Et on tente de tous aider un et l'autre des coéquipiers. Bel arrêt de Shoyo qui a failli peu arrêter cette balle. Shoyo qui met une belle qui pousse l'adversaire et là, une balle qui tarde à partir. En fait, écoute, l'agressivité dans les deux côtés en ce moment, après 40 secondes, c'est très beau à voir. Ben oui, là, on voit encore une fois, des deux côtés, il y a eu des tirs au filet. Là, les défenses se jouent très bien aussi. Les deux équipes, ils ont des occasions de marquer. Mais il va juste falloir trouver la petite fissure dans la défense de notre équipe pour pouvoir marquer. Et on a failli l'avoir, la petite fissure. Une chose que je peux voir, par contre, à ce moment-ci, c'est que le jeu est beaucoup plus rapide. Et on l'a vu lors de cette première série de BO5 ce soir. Lorsque les Lynx ont joué un peu plus rapidement, ben ils ont fini par gagner. Peut-être que là, c'est ce qu'ils tentent. Ben oui, c'est ça. La rapidité est importante parce que ça permet de laisser moins de temps à l'équipe adverse de pouvoir se remettre en position pour la défense et ça crée beaucoup plus d'opportunités pour les deux équipes en fait. La baguette qui voit le tir et dégage et peut-être, non ça ne sera pas cadré, ça. On tente premièrement à mettre de la pression, après ça de peut-être cadrer et là, oh un tir! Incroyable! On rend le sol, carton en papier qui envoie une balle qu'on ne s'attendait peut-être pas du côté des Lynx. Très beau but de sa part. Écoute, j'ai comme pas trop compris, on dirait qu'il l'a comme pinch sur le plancher, même s'il est parti du plancher, mais la balle était quand même assez puissante, c'était un petit peu difficile à prédire, et ça fait 1-0 pour Shawinigan. Effectivement, donc Shawinigan qui vont avec un but d'avance directement en début de partie, et on continue quand même, c'est pas fini, avec Parzival qui envoie un tir cadré, et à deux joueurs, on réussit à arrêter. On tente avec carton à papier de remettre ça au centre. C'est renvoyé à l'autre bout par Shoyo. Shoyo qui a encore la possession de la balle. Un centre, le tir et c'est le but! Shoyo à puce. À puce et le but est fait. Égalité. 2 minutes 48 et 1-1. Je sais pas si carton a essayé de la dégager ou la contrôler, mais ça a permis
à Puceau justement de prendre le retour et de dunk directement la balle dans le but. Oui, oui. Et là, ça rajoute un peu plus de momentum et un peu plus de... C'est le fun à regarder! Les deux équipes sont à égalité, on tente de reprendre de chacun des côtés. Et là, ça continue. Shoyo qui va peut-être prendre son temps, y aller avec le backboard, son coéquipier. Un peu trop haut, mais c'était un très beau jeu. Une démolition ici. Ouh. Et bel arrêt de Shoyo. Ça peut être dangereux sur la démolition. On peut voir aussi qu'il a failli avoir une passe au centre après avoir tassé le défenseur de là. Ça aurait pu être une belle occasion pour Shawinigan, mais nos lignes se sont replacées rapidement. Ici, on rate côté de la marée. Peut-être que c'était prévu aussi. On laisse Shawinigan faire un dégagement. Et là, ça va être le temps d'être un peu plus agressif à Maru qui prend avec la balle jusqu'au territoire adverse. Shoyo qui ramène ça vers le centre via le wall. Et on tente de gagner du temps du côté de Maru, Shoyo et Puce. Les trois joueurs sont là. C'est là qu'on devrait avoir quelque chose comme une belle attaque, un beau but. Quand les trois joueurs sont là, on voit Baguette par contre qui dit non. Moi, je dégage ça à l'autre bout. C'est nous qui attaquons. Et carton à papier qui y en met un peu aussi. Tardival qui tente avec une balle un peu lente de garder un peu de pression. Shoyo qui tente de garder la pression. Écoute, c'est encore l'égalité avec une minute à faire. Et là, Shoyo qui me fait faire. Qui me fait mentir. Un but qui rajoute un avantage côté des Lynx, 2 à 1. Beau but de Shoyo avec une passe de Puce. Très, très bien placé, juste en dessous de la barre horizontale. C'était très dur pour le défenseur de voir si ça allait passer au-dessus du filet ou si ça allait retomber dans le filet. Écoute, ça donne l'avantage à nos Lynx, 2 à 1 dans ce match. Oui, et là, oh, bel arrêt de Baguette qui aurait pu faire mal là, à l'équipe de Shawinigan, mais bien vu, bien vu. J'aime bien ça aussi. Amaru, il essaie beaucoup de jeux. On a vu dans la partie juste avant qu'il a fait un flip reset. Là, il l'a encore essayé. Donc, j'aime ça voir sa créativité dans ce match. Ici, j'ai bien eu peur qu'on compte un autre but du côté des Lynx, mais la défensive du côté de Shawinigan était présente. L'important est seulement de garder la cadence. On a déjà l'avance d'un but et on tente de garder l'avance après ces quelques secondes restantes. Belle passe à Pardival qui whiff cette balle. Baguette qui devra faire l'arrêt. Et non! Amaru qui donne une avance de 2 buts à 21 secondes. Avance de 2 buts pour les Lynx. Très beau but et très bien placé dans ce match. Ouais, je crois qu'il manquait un petit peu de boost à Baguette. C'est peut-être pour ceux qui ont attendu autant longtemps pour essayer de la dévier. Mais dans tous les cas, je pense qu'il avait vu le joueur des Lynx à la droite aussi qui s'en venait peut-être pour le bomb pour le retour. Donc, il n'y avait pas grande option là-dessus pour la défense. Quelques secondes à faire à cette partie. Et je crois que l'avantage lors de cette partie sera officiellement à l'avantage des Lynx jusqu'à la fin. Bref, on parlait peut-être d'un reverse sweep tout à l'heure. Eh bien, c'est là-dessus qu'on s'en va, mon cher Wook. C'est une confirmation. C'est 2 à 2 lors de cette série et ça en prend 3 victoires pour gagner ce BO5. Ça pourrait être un reverse sweep de la part des Lynx. Ben oui, c'est très très intéressant ça. On a vu le score des deux premières parties. La première partie qui a fini 8 à 1, la deuxième 5 à 2. Écoute, le retour des Lynx en ce moment en force, il est très surprenant puis on est très content de voir ça. Et on voit présentement les statistiques au tableau. Incroyable. On aime ça. Shoyo qui était là avec un but, une passe, deux arrêts. Et que dire aussi de Puce avec un but, une passe, un arrêt. Amaru, un but, aucune passe et deux arrêts. Tout le monde en a profité pour faire une partie de ce jeu d'équipe. Et c'est ça que ça prend. L'équipe au complet était là. Ce n'était pas juste un joueur. Les trois étaient présents. Et c'est ça que je pense qui a fait une différence dans cette partie. Ben oui, encore une fois, je vais encore mentionner les tirs des Lynx qui est au-dessus de celui de Shawinigan. Puis là, on a remarqué aussi que les arrêts sont beaucoup plus constants du côté de nos Lynx. Donc, est-ce qu'on a trouvé la fissure dans l'attaque de Shawinigan pour réussir à les défendre? Je sais pas, mais peu importe ce qu'ils font, ça marche super bien. Puis j'espère qu'ils vont garder cette technique pour la dernière partie, en fait. Oui, parce que ce sera la dernière partie de CBO5, cette dernière partie de cette soirée incroyable.
Et voilà, les Lynx ont gagné lors de cette première série. Et celle-ci, est-ce qu'ils pourront faire de même? Allons voir cette dernière partie de ce BO5. À toi, Wook, pour les commentaires de cette troisième partie. De cette cinquième partie. Merci. Donc là, c'est Shoyo qui s'avance avec la balle. Carton qui va l'intercepter, va la renvoyer vers le centre. Amaru qui est déjà dans les airs, va la redescendre vers Shoyo. Shoyo qui manque la balle. Pissou fait quand même un petit follow-up. Baguette va la renvoyer de l'autre côté vers Carton, mais c'est Bénéfice Shoyo qui va y aller. Shoyo qui va intercepter. Bénéfice Shoyo qui met déjà la pression sur Shoyo. Et là, il va la renvoyer vers le centre. Carton à papier est là. Baguette aussi. Mais Amaru était là. Shoyo part avec la balle, va la donner à Carton à papier. Carton à lui qui s'avance, va essayer de la renvoyer. Pissou qui fait une interception. Bénéfice Shoyo qui va la renvoyer vers le centre. Shoyo qui fait encore une fois un bloc. Et Amaru qui va essayer de la dégager. Amaru qui fait une belle démo. Carton qui va l'envoyer par-dessus. Est-ce qu'il va réussir à déjouer Shoyo? Non, Shoyo réussit à faire un bel arrêt sur le jeu. Shoyo encore une fois qui réussit à bloquer le tir. Pissou qui va s'avancer. Mais c'est intercepté par Carton à papier. Carton qui s'avance. Shoyo est déjà là. Va réussir à faire une touche rapide. Va aller prendre le boost de l'autre équipe. Amaru qui s'avance, va essayer de faire un jeu, va essayer de la centrer à lui-même, mais c'est raté malheureusement, ça aurait été un très beau jeu. Le Shoyo qui s'avance, va faire un 50, Bénéfice Shoyo est là pour prendre le retour. Amaru qui va faire un autre beau 50 qui se retrouve vers le centre, et c'est un dégagement vers les Lynx. Pissou qui refait un dégagement de l'autre côté. Amaru qui va l'envoyer vers le coin. Et c'est encore une fois dégagé du côté de nos Lynx. Ouais, très bon travail. Là, on garde l'égalité lors de cette partie. Encore une fois, pas trop d'écart niveau but. De très beaux jeux. On va ici avoir... Oh! Oui! Ouf! Oui! Ouf! Incroyable, la passe de Shoyo. Et Amaru qui rate de tout près le but, qui prend le poteau avec Baguette, qui fait une petite touche, une toute petite touche, laisse le copier des Lynx compter un but et faire justement l'avance en ce début de partie, très important comme début de match. Bravo, très beau jeu d'équipe. Il y a un premier but très important, ça va montrer à l'équipe qu'ils sont déterminés, ça montre à tout le monde que l'équipe est déterminée en fait. Donc j'ai bien hâte de voir comment ils vont réussir à garder le score élevé en leur faveur dans ce match. Que c'est Baguette qui va la dégager du côté des Lynx. Shoyo qui est un petit peu trop avancé. Shoyo va la dégager de l'autre côté vers Pissou. Pissou qui va essayer d'aller vers le mur, qui réussit à l'envoyer. Amaru qui est déjà dans les airs, va réussir à la toucher et la renvoyer vers le filet. Baguette qui va essayer de faire un dégagement, c'est raté. C'est sur Shoyo et Bénéfice Shoyo qui la retourne encore une fois dans l'autre zone. Bénéfice Shoyo qui va faire une belle touche, c'est bloqué par Amaru. Carton qui va s'avancer, va l'envoyer dans le coin, ça retourne vers le centre. C'est bloqué encore une fois par Bénéfice Shoyo, mais Amaru qui fait un beau 50. Ça passe presque, mais malheureusement, la défense de Chemin Ganella et là, Baguette qui fait une touche vers son filet, ça peut être dangereux, ça. Oui, un beau contrôle quand même. Et Amaru qui revient avec une attaque, en fait. On joue bien du côté des Lynx, on lâche pas. Là, c'est Bénéfice Shoyo qui s'avance, va faire un centre à Amaru qui est là pour bloquer. Shoyo qui veut ça faire un beau 50, ça se retrouve dans la zone de Shawinigan, il va faire un fake aerial, Pissou qui va tirer, mais c'est un arrêt de Baguette. Très belle occasion. Bénéfice Shoyo qui va dégager. Shoyo qui va réussir à la renvoyer sur le backboard. Amaru qui, je pense, essaie un petit peu de faire des bumps là. Bénéfice Shoyo qui réussit à la dégager. Shoyo est à la défense. Est-ce qu'il va réussir? Oui, Shoyo qui réussit à la dégager. Malheureusement, un beau dingue de la part de Baguette. Bénéfice Shoyo qui réussit à la renvoyer dans le coin. Amaru qui essaie de prendre le contrôle de la balle. C'est raté. Shoyo prend le contrôle de la place. L'envoie vers Amaru justement. Il fait un beau tir. Malheureusement, Baguette était très bien placé. Mais c'est Carton qui s'avance. Non, c'est Bénéfice Shoyo qui va prendre la balle. Amaru qui va essayer de bloquer le tir. Ça se retrouve dans l'autre coin. Bénéfice Shoyo qui s'avance. Pissou qui met encore une fois une grosse pression sur Shawinigan. Oui, Shoyo. Une belle grosse pression. Et on y voit aussi la pression avec une belle grosse vitesse aussi. Là, c'est dangereux tout ça. Et là, on fait scorer l'égalité de Carton à 1 minute 6. Est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé? Ben, une belle passe de Baguette, un beau jeu d'équipe. Carton qui réussit à faire le compte, l'égalité. Et écoute, tout se passe par un jeu d'équipe, finalement. Ouais, puis je pense que les Lynx aussi ne s'attendaient pas nécessairement à ce que le deuxième joueur qui touche au ballon la rate. Ils s'attendaient à avoir un tir direct, je pense. Et je pense que ça allait être un petit peu déstabilisé aussi. Oui. Donc là, c'est Pissou qui s'avance. Baguette qui va redégager du côté de nos Lynx. Baguette qui prend son temps.
va s'avancer. Baguette qui n'a pas de boost. Il va réussir à faire un beau 50. Et c'est un but de Beneficiary. Crève-cœur pour nos Lynx. Oui, crève-cœur, mais ce n'est pas encore terminé. Donc, c'est sûr que c'est un but. Mais je pense pas que les Lynx devront se laisser abattre et réduire le moral avec ça. Je pense qu'avec 46 secondes au tableau, ils peuvent continuer à y aller en force. Et c'est ce qu'on va voir. En effet, s'il y a bien une règle dans Rocket League, c'est que le match n'est jamais fini. Shoryu nous le prouve avec le tir, mais malheureusement, belle défense de Baguette. Oui, belle défensive de l'équipe de Shawinigan ce soir. Oui, en effet. C'est carton papier qui va essayer de la dégager. Mais Shoryu qui est dans les airs va faire un beau tir. Beneficiary qui est là pour l'arrêter. C'est Amaru qui s'avance. On voit que les Lynx mettent de la pression. Ils veulent pas perdre ce match. Chut. Là, c'est Puceau qui est dans les airs déjà. Il va faire un tir. Bloqué par carton. Il va essayer de garder la balle dans le fond de la zone. Beneficiary qui fait un beau bloc. Et ça retourne dans la zone de Lynx. Là, c'est Amaru. Shoryu, il y a peut-être une petite dernière attaque qui peut se former maintenant, mais je crois que la balle va aller toucher le seul Beto et Puceau qui va essayer de contrôler. Et malheureusement, défaite des Lynx dans ce dernier match, 3-2 au final pour les cégeps de Shawinigan. Oui, on a on a été très très près d'un reverse sweep. C'était très beau à voir. On a fini cette soirée avec. Avec justement deux matchs en BO5, c'était très beau à voir. Que dire de plus, mon cher Wok? T'as aimé ta soirée? Oui, écoute, moi, les deux matchs ont été très bons. J'ai été très content dans le deuxième match de voir la remontée de nos Lynx, même si finalement, ils ont perdu la partie, ils ont très bien joué. Écoute, ils peuvent être fiers de la performance qu'ils ont faite dans les derniers matchs de cette série. Yes, et il y en a un qui doit être fier d'au moins de sa performance. Et on aura la chance de l'interviewer dans quelques instants. C'est Shoryu, le joueur de l'équipe des Lynx 2. On aura justement la chance de l'interviewer après avoir vu ces deux beaux matchs, ces cinq beaux matchs plutôt. Et voilà. Dans quelques instants, on revient avec toi, Wook, et on pourra poser quelques questions à notre joueur des Lynx 2, Shoryu, de retour, justement, dans quelques instants, à l'émission des Lynx du Cégep et Drummond-Petit sur la chaîne Twitch officielle Lynx eSports. À bientôt, dans quoi, 1 à 2 minutes, pour le retour avec l'entrevue. À tout de suite. Moi, dans le fond, je mets mieux dans le stream. Oui. Ok, c'est bon.
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Et on est de retour sur la chaîne des Lynx eSports du Cégep et donc mon petit. Mon nom est Francis Levin-Croteau, alias Prodeo, et on est maintenant rendu au segment bien intéressant, un moment qu'on attend tous, l'entrevue avec Shoyo et Wood qui est encore avec nous. Donc, parlons-en de ce match. Shoyo, premièrement, bienvenue. Merci, merci. Alors, petit commentaire sur ces deux séries. On va commencer par cette première série BO5. Vous avez gagné une première partie, qu'est-ce qu'il y avait dans votre tête pour que, finalement, vous aviez réussi à regagner deux autres matchs par la suite? C'est quoi qui a fait la différence? Ben, en fait, je pense que ça s'est beaucoup joué dans notre communication. Je te dirais, les premières games, on les a gagnées un peu sur instinct, sans vraiment trop communiquer comme il faut. Puis après ça, on a commis un petit wake-up call avec les deux games qu'on a perdus. Ça nous a permis de nous réveiller un peu puis de revenir dans le match. Ben, c'est génial. Wok, une petite question sur cette première série? Ben ouais, dans le fond, si j'ai remarqué que vous avez votre jeu entre les deux parties, dans le fond. Il y a Juliette qui a pris l'avance 2-1. Puis là, votre jeu a changé, vous êtes mis à jouer agressif. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que votre coach vous dit quelque chose ou c'est un travail d'équipe? C'est vraiment un travail d'équipe. On a un peu réalisé qu'on jouait trop passif, qu'on les laissait trop jouer. Fait qu'à ce moment-là, on a un peu décidé d'essayer de couper leur option puis de vraiment aller plus agressif. Leur laisser moins de temps sur le ballon parce qu'ils étaient très bons à gérer le play puis à avancer dans notre zone. Fait qu'on s'est dit que si on restait dans leur zone, ben, ça leur donne moins de chances de marquer. Et à cette deuxième série BO5, écoute, ça a peut-être été dur pour le mental après avoir eu un Brésil. On continue avec des buts, une deuxième partie difficile. Comment était votre équipe à ce moment-là? Écoute, ça a été une montagne russe d'émotions. Je te dirais que le moral il était à peu près à zéro après le 7-1 qu'on s'est pris. Je trouvais vraiment que l'autre équipe il avait une bonne défense en chandelier, c'est-à-dire qu'ils sautaient sur toutes nos balles verticalement. Ça a été dur de revenir après un 7-0 puis un 2-5, mais ce qui nous a vraiment sauvé, encore une fois, ça a été notre communication. Ça nous a permis de revenir dans le jeu, savoir un peu qui était où, éviter les double commits à ce niveau-là aussi. Parfait. Wok, un commentaire sur cette deuxième série? Ouais, dans le fond, est-ce que toi, tu penses que c'est le fait que vous mettiez plus de pression ou les jeux de passe puis la communication, justement, qui vous a permis de remonter la série à 2-2? Je pense que c'était vraiment notre communication puis nos jeux de passe. C'est sûr que mettre de la pression, ça nous a permis d'avoir la balle un petit peu plus souvent, d'avoir des meilleures occasions, moins les permettre de faire leur jeu dans notre zone. Puis je te dirais, les passing plays, ben, ça vient avec la communication. Quand tu sais son outil teammate, ben, c'est plus facile de leur faire des belles passes puis avoir des bonnes occasions. Mais merci beaucoup pour ces commentaires. Mon cher Shoyo, et bonne chance pour la suite des choses, parce qu'on sait qu'on est la saison est jeune. Et comment ça se passe là, la saison pour l'instant? Écoute, je te dirais que c'est win-lose tout le temps. On en gagne une, on en perd une. C'est un peu en dents de scie, mais ça commence à se placer, je te dirais, avec mes nouveaux teammates qu'on n'avait jamais joué ensemble avant. Ben, la chimie commence à s'installer, puis je pense qu'on a des chances d'avoir une meilleure deuxième moitié de saison. C'est parfait, ça. Donc, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup d'avoir pris part à l'entrevue. Et également, merci beaucoup à Wok
de ces commentaires, de ta présence bien appréciée lors de cette diffusion des Lynx ce soir. Ça me fait plaisir, Prodeo. Merci de m'avoir reçu. Yes! Et nous, on a une prochaine diffusion. C'est quoi la prochaine diffusion? Eh bien, je pense que la prochaine diffusion, ça, c'est le match qu'on vient de faire. Mais la prochaine diffusion, c'est bien sûr le match de... on va l'avoir. Eh bien, on l'aura pas. On s'en va. La prochaine diffusion, c'est pas compliqué. On l'a. Prochaine diffusion, Valorant, demain, jeudi 19h, sur les ondes du Cégep Édouard Montpetit. Lynx Esports, ce sera justement demain soir qu'on va voir la première diffusion sur Valorant. On a déjà vu Rocket League, on a déjà vu League of Legends, mais là, on va voir pour cette première fois cette saison-ci, avant le temps des fêtes, une diffusion pour les Lynx du côté de Valorant, encore une fois, avec des diffuseurs de très haute qualité. Donc, en mon nom, Francis Levin Croteau, je vous souhaite un bon retour et je vous dis, venez à la diffusion demain soir, jeudi 19h, pour Valorant. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain. Au revoir tout le monde et à demain.